Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. De bonne heure, mais de bonne humeur, n'est-ce pas? Et comme on est de bonne humeur, on va chanter l'auteur de notre joie. C'est lui qui nous donne la joie, c'est notre source de bonheur. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi pour chanter ce chant? Alors je sais, il est nouveau, on l'a fait qu'une fois la semaine dernière, mais on va l'apprendre, vous allez voir, il est très beau. Que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire.
force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Jamais.
Gloire à Dieu. Amen. On est heureux d'être ensemble. On anticipe un peu le changement d'horaire qui aura lieu dimanche prochain. Vous voyez, donc c'est une répétition, finalement. Et on est heureux néanmoins d'être ensemble pour partager la bonne parole du Seigneur. Alors on maintient pour le moment notre thématique en ce qui me concerne, les gens de caractère pour Dieu. Et nous avons parlé de Gédéon. On se souvient que Israël était sous le joug des ennemis madianites. Madian dominait Israël. Et qu'à un moment donné, un ange est venu. Il a paru devant Gédéon pour lui dire « Va avec la force que tu as ». Et la mission de Gédéon était double. D'abord, ça concernait sa vie privée. Il y a un ordre des choses, une cohérence. Avant de faire des choses en public, finalement, il faut qu'on veille sur notre vie privée. Il y a une cohérence. Comment faire quelque chose d'efficace de manière publique, si dans ma vie privée, il y a de l'incohérence, ça ne colle pas. Et c'est pourquoi il est important de soigner avant toute chose, sinon c'est l'hypocrisie finalement. Avant toute chose, il faut soigner sa vie privée. Et c'est donc l'une des missions que le Seigneur a confiées à Gédéon. Occupe-toi d'abord de ta vie à la maison, de ta vie privé. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, il a fallu abattre l'autel dédié à Baal dans la maison de son père. Je n'y reviens pas. Et la deuxième mission, la deuxième phase de sa mission consistait à délivrer le peuple du joug des Madianites. Et pour cela, il a fallu lever une armée. Et nous avons dit que l'Église était l'armée du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas seulement une armée. Il veut une armée efficace. Et dans le texte biblique, dans le livre des Juges au chapitre 7, eh bien, ils ont procédé à une sélection pour que l'armée soit efficace. Alors, on en a tiré des conclusions. La première, très rapidement, ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ensuite, il a été question de s'adresser aux craintifs. Et il a été dit que celui qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et là, il y a eu la majorité qui avait peur. 22 000 hommes sur les 32 000 s'en retournèrent et il en resta 10 000. Et on s'était dit, mais de quoi pourrions-nous avoir peur, nous? Voyez-vous, on peut avoir peur de s'engager. On peut avoir peur de confronter son péché. On peut avoir peur d'affronter l'ennemi en face. Voilà. Et puis, on a tiré aussi notre conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité sans véritable vigilance. Ils ont fait descendre les 10 000 hommes dans la rivière. Certains se sont mis à genoux pour boire, d'autres sont restés debout en lapant comme des chiens. Et finalement, ce sont ceux-là qui ont été choisis. Ils étaient 300. Aurions-nous été comptés parmi les 300? Que Dieu nous donne d'être efficaces. Maintenant, on en arrive à notre message ce matin. Après la sélection, il y a le déroulement de la bataille. Et je voudrais souligner deux choses, faire deux remarques avec vous qu'on voit au verset 8, prochaine diapo, Juges 7, 8. Avant d'aller en bataille ou alors qu'ils allaient pour se rendre à la bataille, eh bien, il est écrit ceci, « On prit les vivres du peuple et ses trompettes ». On prit les vivres du peuple. Une autre version, la Bible du Semeur dit, les 300 hommes reçurent les provisions. Dites-moi, pouvons-nous être efficaces à la bataille si on ne s'est pas nourri auparavant? Il y a une cohérence et c'est pourquoi ils ont pris soin de prendre les provisions. Il fallait qu'ils se nourrissent avant d'aller à la bataille et de vaincre. Mais voyez-vous, le diable ne veut pas que nous nous nourrissions, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Et c'est pourquoi, au début du récit, au chapitre 6, il est écrit « Madian campait en face d'Israël, détruisait les productions du pays et ne laissait en Israël, écoutez bien, ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. » Voilà ce que faisaient les Madianites. Pourquoi ? Pour les maintenir dans un état de faiblesse, en les rendant incapables de se révolter
et de mener la bataille. Mais mes amis, il est important pour nous, c'est la même chose. Nous sommes en guerre, on le sait, oui ou non? On est en guerre spirituelle. Et le diable ne voudrait surtout pas que le peuple de Dieu prenne les provisions spirituelles, se nourrisse. Mais mes amis, nous avons besoin de bien nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu et dans la prière. C'est Jérémie qui dit ceci, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. » Et puis, dans le livre du Deutéronome, il est écrit, « Dieu t'a nourri de la manne, la manne étant le symbole de la parole de Dieu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » On a besoin de prendre des forces spirituelles. Qui que nous soyons, qu'on soit pasteur, qu'on soit responsable des enfants, qu'on soit la trésorerie, qu'on soit à la rencontre, quel que soit l'endroit où nous sommes appelés à servir, si nous ne nous nourrissons pas, nous allons être vaincus. L'ennemi va nous trouver affaiblis et c'est le but. Il faut qu'il nous trouve affaiblis, mais béni soit Dieu, nous avons décidé, vous et moi, de prendre des forces spirituelles avant le combat, pendant le combat et après le combat. Et cela d'abord à titre personnel. On ne dépend pas de l'Église, on ne dépend même pas, si nous sommes mariés, de notre conjoint. C'est notre responsabilité personnelle. On a décidé, alors qu'on est entré dans les eaux du baptême, de nous nourrir jour après jour de la parole de Dieu. Que dire des couples chrétiens? Que dire des couples chrétiens? Ils doivent aussi, à mon avis, lire la parole de Dieu ensemble. Je ne dis pas forcément tous les jours, mais il y a des moments qui doivent ponctuer la vie d'un couple chrétien. Et de décider, par conséquent, de lire la parole de Dieu ensemble. Il faut nourrir spirituellement son couple. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ton couple est menacé, ton couple est en danger. Et dès lors que le diable, d'une manière subtile, fait que finalement il n'y a ni prière dans ton couple, ni lecture de la parole de Dieu, le diable est tapis à ta porte. Et attention pour ton couple, mon ami. Attention, il y a là une situation de fragilité, il y a des fissures, et je te le dis comme une prophétie, le diable ne manquera pas de te faire mal et de briser ton foyer. C'est pourquoi il est important, ce que je dis, c'est solennel finalement, de veiller sur son couple chrétien et de se nourrir de la parole de Dieu pour qu'on soit fort dans la bataille. C'est vrai en famille aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui les ados c'est compliqué, je le reconnais vraiment, vraiment, et je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est important aussi de les habituer, nos enfants, nos ados, à se nourrir de la parole de Dieu. Il est important qu'ils voient papa lire la Bible, maman lire la Bible ensemble, aimer la parole, parler des choses de Dieu ensemble. Et c'est vrai aussi en Église, on a besoin de nous nourrir. Je crois que c'est important, ce n'est pas quelque chose de banal, mais je pense que c'est important de venir aussi aux réunions quand on peut y venir pour se fortifier spirituellement. Et peut-être es-tu passé à côté de bénédictions. On a proposé des week-ends, on a proposé plein de choses. Et peut-être que tu n'étais pas là parce que tu as jugé bon ne pas y être. Tu as d'autres priorités, tu as d'autres choses à faire. Mais mon ami, il faut te nourrir spirituellement. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont compris. On prit les vivres du peuple et les trompettes, béni soit Dieu. Et la deuxième remarque aussi que je voudrais faire avec vous, c'est qu'avant le combat, Gédéon va se rendre compte d'une chose importante. Regardez, Dieu, et c'est un homme madianite qui le dit, Dieu a livré Madian et tout le camp dans les mains de Gédéon. Alors je vous lis le contexte dans le chapitre 7, versets 13 à 14. Gédéon va aller voir ce qui se passe dans le camp ennemi. Et il va entendre des choses. Voici un homme, je lis le texte, un madianite, racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et allait tomber.
il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Alléluia. Avant même de combattre, les ennemis savent qu'ils sont vaincus. Et Gédéon sait qu'il a la victoire. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, et c'est important finalement, on ne s'en rend pas toujours compte, l'ennemi sait qu'il est vaincu. Puissions-nous le comprendre concernant nos trois ennemis majeurs, la chair, le monde et Satan. Et la Bible dit que la chair, elle est crucifiée, le monde est vaincu et Satan est jugé. Alléluia. Dieu a livré Madian et tout le camp dans les mains de Gédéon. Dieu a livré entre nos mains nos inquiétudes, nos impuretés, notre culpabilité, nos angoisses, nos peurs, nos complexes, nos arguments visant à justifier nos faiblesses, nos addictions, nos fragilités. Tout cela est entre nos mains dans le nom de Jésus et nous avons autorité. Alléluia. L'ennemi voudrait nous vaincre à travers toutes ces choses-là, mais nous nous déclarons que nous avons la victoire parce que Jésus a remporté la victoire définitive, que son nom soit béni. Maintenant, la stratégie de Gédéon, prochaine diapo. Verset 16, il divisa en trois corps, en trois groupes, les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Donc, il divise les 300 en trois groupes, sans doute trois groupes de 100. Et voyez-vous, il leur met à la main non pas des boucliers, des lances, des épées, mais il leur remet, c'est curieux, entre leurs mains, des trompettes, des cruches et des torches. Et cela nous ramène à ce fameux texte de l'apôtre Paul, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le combat? On lit le texte, prochaine diapo, versets 19 à 21. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 300 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, vous imaginez un peu, et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Alléluia. Curieuse façon de mener le combat. Et moi, je les imagine, ces trois groupes-là sur les hauteurs, Madian un peu plus bas, et puis ils ont commencé donc à sonner de la trompette, ça faisait du bruit tout ça, à briser les cruches, à retirer les flambeaux des cruches et à élever leurs flambeaux. Il y a eu la panique suite à cela dans le camp madianite. Alors parlons des trompettes, prochaine diapo. Les trompettes, ça résonne fort. Et voyez-vous, il y a quelque chose qui résonne fort, autant dans le ciel que dans le monde des ténèbres. Ce sont nos proclamations de victoire. Je t'invite à proclamer la victoire. Parce que l'ennemi veut nous amener à dire Dieu ne fait plus. C'est plus comme avant. Voyez ? Et ça, finalement, ce n'est pas des proclamations de victoire, c'est des proclamations de défaite. Quand bien même nous ne voyons pas encore la chose venir, je crois qu'il faut proclamer sur la base des promesses de la parole de Dieu ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Et ça résonne, ça retentit dans le ciel et dans le monde des ténèbres. Alléluia! Comme ces Israélites qui ont soufflé dans la trompette, nous faisons retentir aussi nos proclamations de victoire, nos prières, nos louanges, nos chants d'adoration, les promesses de la parole. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en son Fils Jésus. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Et nous pourrions multiplier les promesses de la parole, faisant retentir nos cris de victoire. Alléluia. Un peu comme les Israélites autour des murailles de Jéricho, ils ont poussé un cri qui est le symbole d'une prise de position dans la victoire. Tes enfants ne sont pas encore sauvés. Prends position et proclame qu'ils le seront. Alléluia, c'est le son de ta trompette. Tu es malade, moi je dis ceci, proclame que tu vas guérir au nom de Jésus. Tu fais retentir ta trompette devant le Seigneur et tu vas mettre la panique dans le camp de l'ennemi. Béni soit le Seigneur. Ton couple est en défaillance quelque part, eh bien fais retentir ta trompette et dis, Seigneur, tu vas bénir mon foyer, tu vas bénir mon couple, alléluia. Alors que tu es peut-être victime d'une addiction, fais retentir ta trompette et dis, Jésus a porté mon péché. Et ce à quoi je suis en train d'être vaincu, ce qui est en train de me vaincre plutôt en ce moment, eh bien c'est moi qui ai la victoire, alléluia. Et je décide de la remporter, je fais retentir le son de ma trompette, béni soit Dieu. Mais mes amis, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui retentit le plus dans nos vies? Nos proclamations de victoire ou nos plaintes, nos murmures, nos critiques? Je me suis rendu compte d'une chose en revenant de Montluçon, nous étions au congrès, vous le savez, dans le cadre de nos assemblées au plan national. Et puis, j'étais dans la voiture, vous le connaissez, du pasteur Dieudonné. Et alors, figurez-vous que pendant tout le voyage, nous avions un ciel bleu. Et le soleil qui brillait, c'était très agréable. On était content comme tout. On était presque en chemisette, enfin voilà, c'était bien, c'était agréable. Et figurez-vous qu'un peu plus loin qu'Évreux, nous avons aperçu des nuages partout. Et un peu plus loin, il pleuvait. On s'est dit, on a fait 500 km sous le soleil avec un ciel radieux, et il suffit qu'on arrive chez nous et il pleut. Et figurez-vous que j'étais pas content. Ça peut arriver, hein. Mais j'arrêtais pas de dire, mais mince quoi, mais mince, je me rendais même pas compte. Mais mince, oh là là, gna 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 gna. Quel contraste avec Dieudonné, il riait. Lui, il riait. Celui qui pouvait se plaindre, c'était lui, il vient du Congo. Il y a du soleil là-bas. Il est venu vivre en Normandie, où il pleut souvent. Mais j'ai eu un déclic en moi, je me suis dit, mais... Et j'ai fait le parallèle avec ma propre vie. C'était comme, vous voyez, un signal. Le frère, là, Dieudonné, il est dans la joie. C'est pas évident, là. Et puis, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un détail, si vous voulez. Mais je veux aller plus en profondeur. Alors, il riait, et moi, je pleurais. Face à une même situation. Et quelque part, je me suis dit, c'est lui qui a compris. Et c'est à moi de me réformer. Qu'est-ce qui retentit le plus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies? Nos proclamations de victoire ou plutôt nos déclarations de défaite, nos plaintes, nos murmures, que le Seigneur nous soit en aide. Alléluia, faisons retentir nos trompettes jour après jour pour donner gloire à Dieu. Et puis, il y a les cruches, mes amis. Et voyez-vous, prochaine diapo, les cruches, elles représentent la faiblesse humaine. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des cruches et que je suis une cruche. Mais quand même, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor, Jésus,
dans des vases de terre. C'est nous les vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ces cruches qui symbolisent la faiblesse de l'homme ont dû être brisées. Et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui peut-être, c'est un peu difficile de... Enfin difficile, on entend peut-être moins parler du brisement. On entend parler de notre identité, de qui nous sommes en Jésus, des victoires en Jésus, tout ça c'est vrai. Mais il faut reconnaître que la vie chrétienne, bien souvent, est une vie de brisement parce qu'il y a la croix. Et il faut passer par ce façonnage. Nous sommes les vases, Jésus est le divin potier, il nous façonne. Et parfois, ça fait mal. On doit descendre parfois de notre piédestal. On doit réformer notre mentalité. On doit vaincre nos défauts de caractère. On doit crucifier notre chair, nos péchés. Ça fait mal. C'est plus facile d'être dans le monde, de dire « Allez, allons-y, mangeons, buvons, demain nous mourrons, faisons ce qui nous plaît, ce qui nous passe par la tête, comme on veut. » Or, la Bible dit « Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui nous a fait, qui nous a créé, ce qui nous a sauvés. » Et donc, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la croix, sans le brisement. Et vous voyez bien, il y a les hommes de Dieu, là, souvent, là, sur l'estrade qui prêchent, je le vois, je les entends, il y en a qui sont vraiment brisés. Et c'est le parfum de Christ qui s'exhale. Des frères et des sœurs, on sent qu'ils ont été modelés, façonnés. Il y a eu un brisement. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas ce brisement, l'ego reprend des droits. Le caractère triomphe, le côté charnel, voyez, que nous pouvons tous avoir les uns et les autres. Mais combien c'est bon d'être brisé par Jésus. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je me souviens de cet homme, un jeune que nous avions marié. Et à un moment donné, il est venu me voir. C'était un jeune cadre, hein, vraiment un homme brillant. Tout jeune marié, il vient me voir et me dit « Daniel, j'arrive pas. » Waouh, je dis « Mince, ça commence mal. J'arrive pas, on se dispute. » Alors, sa femme avait du tempérament, lui aussi. Et j'ai apprécié ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, mais tu sais ce que j'ai fait? Je me suis agenouillé. J'ai dit, je dépose les armes. Jésus, brise-moi. Transforme-moi. Libère-moi. Je veux rendre ma femme heureuse et pas malheureuse. Je ne veux pas qu'on soit en tension constamment comme ça. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Je veux être agréable à Dieu. Et il s'est relevé différent. Alléluia. Même dans le couple, il faut aussi accepter ce brisement. Même dans le couple, il y a des renoncements. Parfois, il faut dire, ben, c'est comme ça, on continue. Vous comprenez? Parce que sinon, c'est l'âge de guerre qui est tout le temps retiré. Et puis, on ne s'en sort pas. Et je crois que dans les églises, il y a un vrai problème parfois au niveau des couples. Il faut la grâce de Dieu, mes bien-aimés. J'entends mes collègues me dire ceci, me dire cela. J'ai entendu là, alors que j'étais dans ce congrès, un frère me dire « Mais incroyable, les problèmes de couple dans mon église, incroyable, j'ai jamais vu ça !» Vous trouvez ça normal, frères et sœurs? C'est pas normal, et pourtant c'est des réalités. Alors, il faut l'action du Saint-Esprit. On n'est pas là pour se juger. Mais on est là pour être agréable à Dieu et voir la gloire de Dieu. Il y a besoin de la gloire de Dieu. Il y a besoin de réformer des choses. Il faut accepter d'être brisé par le Seigneur. Et c'est pour du bon, ce n'est pas pour du mauvais. C'est pour du bon. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci, la fin de l'homme est le commencement de Dieu. C'est au plus sombre de nos tunnels et au plus profond de nos impasses que la beauté de Dieu peut briller d'un éclat particulier dans nos vies. La faiblesse humaine fournit la meilleure toile de fond au déploiement de la puissance divine. Nous sommes souvent trop forts, trop grands, trop capables et imbus de nous-mêmes pour laisser Dieu faire. Dieu travaille sur nos personnes.
il emploie beaucoup la répétition. Il faut souvent des années jusqu'à ce que nous soyons suffisamment brisés pour que Dieu puisse nous confier des tâches sans craindre nos méthodes pleines de suffisance. Que Dieu nous soit en aide, afin que ce soit Jésus qui brille. Alléluia. Façonne-nous, Seigneur, façonne-nous, alors que nous te servons d'une manière ou d'une autre. On veut vraiment ton caractère. Il y a trop de moi, pas assez de toi. Et comme disait Jean, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. C'est à lui de prendre toute la place. Et si lui prend toute la place, automatiquement, nous allons diminuer. Et puis, il y a les torches, mes amis. Prochaine diapo. Voilà, ils soufflent dans leurs trompettes. Ils ont brisé les cruches, ils ont retiré les flambeaux. Et ces torches-là représentent le feu qui brûle dans nos vies par le Saint-Esprit et qui nous fait briller comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Vous savez, sans doute qu'un des grands défis aussi que nous avons à relever les uns les autres, c'est de garder le feu. Vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes converti, les premiers moments de votre conversion ou les premiers moments de votre baptême dans le Saint-Esprit, il y avait du feu, il y avait du zèle. Alléluia. Je me souviens, quand je me suis converti, mais c'était vraiment incroyable. Et je voulais que le monde entier comprenne comme je venais de comprendre. J'étais naïf, mais incroyable, quoi. Et j'avais le sentiment, j'avais l'impression que tout le monde allait accepter Jésus sur le champ. Et un jour, je me suis retrouvé dans ma cage d'escalier, dans mon quartier. Et il y avait un voisin à qui j'ai commencé à prêcher. Et j'ai commencé par la Genèse, j'ai presque fini par l'Apocalypse. Et à un moment donné, je lui parle de certaines choses que j'avais apprises comme ça. Je ne connaissais pas encore grand-chose, mais je parlais des choses de l'Apocalypse, la bête, tout ça. Et au fur et à mesure que je parlais, je ne me rendais même pas compte, mais ce voisin était en train de se ficher de moi. Et il me faisait « Ah bon ? Ah bon ?» Ah, il y a ça aussi, oh oui. Et moi, naïf, je continuais, jusqu'au moment où je me suis dit, mais il y a un problème, il est en train de se ficher de moi. Après, bien sûr, par la grâce, on acquiert un peu de sagesse. Mais ce qui est important à dire, c'est que notre sagesse ne doit pas ôter notre feu. Le feu, il est là. Alléluia. Et il faut qu'il y ait du feu en toi. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, alléluia. Un jour, nous étions dans un camp de jeunes et on était à la Belle Étoile. Vous savez, les jeunes mènent ça, pas que les jeunes d'ailleurs. On a fait un beau feu, un feu de camp, quoi. Et je me suis rendu compte que le feu s'éteignait quasiment. Il n'y avait plus que des braises. Je dis, mince, mais comment on va faire? On n'avait rien, on n'avait pas de soufflet ni rien. Et alors, j'ai pensé à un gars dans le groupe. Je me suis dit, lui va faire l'affaire. Pourquoi? Parce que c'était le trompettiste parmi les musiciens. Il avait du souffle. Je lui ai dit, hey, écoute, viens, souffle sur les braises, toi. Toi, tu as du souffle, vas-y, vas-y. Et je le revois, vous savez, comme les trompettistes, là, quand ils soufflent sur leur trompette, ils ont des joues comme ça, vous savez. Bouh, ça. Je revois ses joues, cloc, cloc, et il soufflait. Et le feu a redémarré. Alléluia. Mes amis, il faut le souffle de l'Esprit dans nos églises, dans nos vies, pour que ça redémarre. Peut-être en as-tu perdu, t'es-tu découragé, as-tu été déçu? Et vous savez, dans une église, qui n'a pas été déçu? On se déçoit mutuellement, je vous ai déçu, vous m'avez peut-être déçu, enfin bref. Mais si on en reste là, on n'avance pas. Il faut le souffle de l'Esprit pour que ça redémarre, parce que l'essentiel, c'est que le feu brûle. Et que si le feu brûle, nous brillons ainsi comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Et le diable, il veut nous arrêter d'une manière ou d'une autre. C'est clair et c'est net. Parfois, des petits détails de rien du tout, des choses parfois plus importantes. Mais le but du malin, c'est d'arrêter sur le chemin. C'est tout. Alors, on peut avoir des arguments, même légitimes, pour dire, il y en a assez, ceci, cela. Mais mes amis, si on s'arrête à ça, on n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Il faut aller de l'avant. Alléluia. Il faut proclamer que Jésus va restaurer la situation. Pour autant que nous laissions le Saint-Esprit souffler en nous et qu'ainsi le feu donne toute sa puissance.
et le monde dans lequel nous vivons a besoin du feu de l'Église, besoin de ton feu, de mon feu, alléluia. Soyons zélés pour le Seigneur, amen. Soyons zélés pour le Seigneur, alléluia. Finalement, il n'y a rien de trop pour lui. Il mérite le meilleur de notre vie. Oh, que Dieu nous soit en aide, amen. Et je vais conclure, mes bien-aimés, par deux dernières remarques. Vous êtes d'accord? Je pense que je suis dans les temps. Deux dernières remarques. La première, c'est qu'on l'a lu ensemble, alors qu'ils sont en train de souffler dans leurs trompettes, de casser les cruches, de brandir leurs torches. Après cela, il est dit au verset 27, les soldats, écoutez bien, c'est intéressant, les soldats, donc les Israélites, là, les 300, restèrent chacun à sa place autour du camp. Et ça, c'est intéressant. Chacun est resté à sa place. Je vais vous dire ceci, l'œuvre de Dieu est efficace quand on sait rester à sa place. Et quand c'est l'inverse, elle s'affaiblit. On a un exemple, enfin on a même plusieurs exemples dans la Bible, mais j'ai pensé à celui d'Ozias, le roi Ozias. Dans le livre des Chroniques notamment, il est parlé de lui au chapitre 26. Et il a accompli plein de bonnes choses, Ozias. Vraiment, ça a été un roi formidable. Mais à un moment donné, ça marchait tellement qu'il s'en est enorgueilli. Ça, c'est le problème. Ça a tellement marché qu'il s'en est enorgueilli. Et le texte biblique dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Waouh, son cœur s'éleva. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le temple et il s'est dit, mais maintenant, moi, je suis puissant, je vais faire brûler les parfums pour l'Éternel. Et là, il y avait un dénommé Azaria, un sacrificateur, un chef, qui, avec 80 sacrificateurs, lui ont dit « Ce que tu fais là, c'est du péché. Tu n'as pas le droit de faire ça. T'es roi, mais tu n'es pas sacrificateur. Et seuls les sacrificateurs, dans le temps, peuvent faire brûler du parfum, mais pas toi, ce n'est pas ton rôle. » Il n'est pas resté à sa place. Il a voulu prendre un autre rôle, il a voulu dépasser les limites qui lui étaient assignées. Et finalement, il en est devenu lépreux. Dieu a vu que ça ne s'était pas ça. Et Dieu l'a frappé de lèpre. Et il a fini sa vie dans une maison éloignée des autres. C'est terrible ça. Mes amis, c'est important. Vraiment important. Il faut savoir rester à sa place. Et dès lors qu'on outrepasse ce principe-là, eh bien, les choses commencent à se détériorer. Si vous n'êtes pas pasteur, jouez pas au pasteur. Si vous n'êtes pas prophète, faites pas les prophètes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que dans la pensée, vous comprenez bien. Il faut savoir rester à sa place. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et on ne fait pas n'importe quoi. Comme bon nous semble, comme bon nous chante, il y a un ordonnancement dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et à partir du moment où on outrepasse cela, eh bien, on donne finalement le flanc à l'ennemi qui vient mettre la zizanie quelque part. On ne sait plus qui est qui, il n'y a plus un ordre établi. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous soit en aide. Et c'est vraiment une grâce dans l'humilité de dire, voilà ma place, ok Seigneur, il n'y a pas de frustration, je l'assume de tout mon cœur, gloire à Dieu, alléluia. Voilà, pour Victoire et moi, on est à notre place dans le sens où on ne va pas prendre le rôle de la présidence des ADD. Hein Victoire, on est à notre place, point c'est tout. Je ne vais pas faire le président des ADD, ce n'est pas moi, c'est un autre. Et que Dieu le bénisse. Point, voilà, chacun bien à sa place, c'est tout. Et Dieu bénit. Amen. Après, il peut plaire à Dieu de dire, voilà, toi maintenant, va ici. Voilà, si c'est le Seigneur qui le fait, eh bien merci Seigneur. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième aussi, je vais conclure, Juges 8:4. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un des versets les plus connus aussi du livre des Juges. Gédéon, chapitre 8, verset 4, arriva au Jourdain. Il le passa, donc les ennemis sont en fuite, ils vont essayer de les récupérer. Hein. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, et écoutez bien, il est dit, oh, je voudrais que vous le disiez avec moi, fatigué,
mais poursuivant toujours. Vous vous souvenez de ce verset? Souvent, on le dit, hein, fatigué, mais poursuivant toujours. Et voyez-vous, dans l'œuvre de Dieu, il y a des phases avec et il y a des phases sans. Il y a des phases d'abondance et il y a des périodes de disette. Il y a des phases, entre guillemets, j'ai envie de dire, de succès, entre guillemets, puis il y a des phases de défaite, d'échec. C'est ça l'œuvre de Dieu. On ne peut pas toujours être sur la cime, vous comprenez? Il y a des moments de fatigue. Il peut y avoir des moments de découragement, des moments de relâchement, des moments de culpabilité, toutes sortes de choses finalement qui peuvent surgir, ou d'autres fois on se sent très bien, on se sent fort, on est victorieux, béni soit Dieu. Mais il y a différentes facettes dans le service de Dieu. L'essentiel, quel que soit finalement notre état, c'est de pouvoir s'approprier ce verset et dire « fatigué peut-être, oui, mais poursuivant toujours pour la gloire du Seigneur. » Amen, hein ? Il y a des moments où cette fatigue peut s'installer, mais on poursuit dans la grâce de Dieu. Et n'est-ce pas le Seigneur qui renouvelle les forces pendant la marche ? Alléluia ! Alors que Dieu nous soit en aide. Approprie-toi ce verset, mon frère, ma sœur. Fatigué peut-être, oui, ce matin, ou en ce moment, dans la période que tu traverses, mais tu poursuis toujours. Tu restes fidèle au Seigneur. Tu t'accroches, tu ne te relâches pas. Tu vas de l'avant. Béni soit Dieu. Faisons retentir nos cris de victoire. Amen. Sachons que nous sommes un peu comme ces vases de terre. Ils doivent être brisés pour que la lumière paraisse. On va en sortir les torches qui brillent. Alléluia. Ayons le zèle pour le Seigneur. Que le feu continue à brûler en nous. Que le Seigneur bénisse notre assemblée, amen, hein, qu'il réjouisse nos cœurs et que ceux qui peut-être ne se sont pas encore véritablement levés, là, vous puissiez le faire de tout votre cœur et entrer dans votre destinée, alléluia. Dieu a une destinée pour chacun de nous, amen, hein, et elle est belle cette destinée pour chacun de nous quand on est dans la main du bon berger, que Dieu soit béni. On prie ensemble pendant que nos amis reviennent sur l'estrade, nos amis musiciens. Merci Seigneur de nous visiter, de visiter nos amis sur Internet aussi. Seigneur, merci pour toutes ces instructions données à travers la vie de Gédéon. On a tellement de choses à comprendre encore, à expérimenter. Seigneur, on est en marche, alléluia, malgré nos faiblesses parfois, nos dérapages. Mais tu es là pour nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Et tu veux que nous soyons plus que vainqueurs en toi et avec toi. Merci parce que tu relèves notre tête. Tu nous amènes à confronter nos problématiques, quelles qu'elles soient, dans la victoire de Jésus. Alléluia! Donne-nous le feu, Seigneur. Donne-nous de ne pas compter sur nous-mêmes, mais surtout sur toi. Donne-nous, Seigneur, ta grâce. Alléluia! Pour faire retentir nos cris de victoire, les promesses de ta parole. Nous ne voulons pas de négativité, Seigneur, dans notre façon de raisonner, mais nous voulons donner gloire à Dieu. Que tout en nous donne gloire à Dieu, que nous te soyons de plus en plus agréables. Nous voulons soigner notre vie privée comme Gédéon. Et Seigneur, nous voulons aussi vivre des choses ensemble, en public, mon Dieu. Alléluia! Visite-nous dans ta grâce, remplis-nous du Saint-Esprit. Oh, que le zèle de ta maison nous anime, nous dévore. Gloire à toi, on veut se nourrir avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille. Nous voulons être nourris de Jésus, alléluia, des bonnes paroles de Dieu. Seigneur, fortifie les foyers, fortifie les couples, fortifie nos célibataires, nos veuves, nos divorcés. Tends tes mains sur chacun de nous, les enfants, nos adolescents, alléluia, nos aînés, Seigneur. Oh, visite-nous, visite le peuple à Elbeuf. Nous prions pour un temps de visitation. Nous prions pour que nous soyons l'armée du Seigneur, alléluia, qui va mettre dehors les Madianites, qui va briser le joug de l'ennemi, alléluia. Oh Seigneur, à toi la gloire, pour tous les défis qui sont devant nous, nous allons les relever, alléluia, et remporter des victoires en ton nom, notre cher Sauveur. Amen.
Tu vins affranchir mon cœur, tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi.
t'exaltons. Amen. Amen. Si nous sommes baptisés par immersion, règle avec Dieu, désirons marcher avec lui de tout notre cœur, nous allons participer à la scène maintenant. Les frères vont, les sœurs vont passer au milieu de nous. Nous nous souvenons de ce pain qui a été rompu par Jésus, qui symbolise son corps déchiré, le vin qu'il a bu, qu'il a donné à ses disciples, symbolisant le sang de l'agneau. Et nous voulons, comme peut-être nous réengager ce matin à nouveau, dire ben, « Seigneur, je ne m'estime pas forcément digne de prendre ce repas, mais je crois en toi, tu m'as justifié, je suis ton enfant et je m'engage à aller de l'avant, à remporter des victoires. Je ne veux pas m'accommoder d'une situation qui n'est pas à ta gloire. En prenant la scène, je prends la victoire et je dis je tournerai le dos à telle et telle chose qui déplaît au Seigneur et je serai dans la victoire avec toi. Amen. Alors que ce soit un temps de grâce. Alors pour la facilité de la distribution, on demande que nous restions assis. Une fois qu'on aura pris la scène, on peut se relever à nouveau à loisir pour louer, adorer le Seigneur. Amen. Toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à
car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai tout, Seigneur.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à nos bien-aimés. Amen. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Il y a les annonces. D'abord, on vous dit bonjour à ceux qui viennent pour la première fois. Y a-t-il des amis visiteurs? Vous levez la main. Il ne vous arrivera rien de mal. Voilà, sois béni, soyez béni. Bonjour. Là-bas aussi, alléluia. Vous pouvez même vous lever, qu'on puisse vous saluer tous ensemble. Voilà, soyez bénis. Hein, amen, amen. Bienvenue au milieu de nous. Bienvenue. Et on peut dire à son voisin, sa voisine, devant, derrière, sois béni de la part de Dieu. Amen.